Bonjour la famille, on espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je suis avec Claudine. Comme je vous ai dit, ça fait 3 jours, donc vous allez la voir dans les 3 prochains vlogs. Vous allez avoir Claudine avec moi. Donc hier on a fêté l'anniversaire de Anifa, c'était vraiment super. Vous avez la vidéo qui est dans la barre d'infos, soit je le mets quelque part en fiche. Et quand vous étiez nombreux à m'avoir demandé de vous faire le tuto de ce maquillage sur ma chaîne maquillage, je voulais réaliser, donc il sera en ligne ce week-end, ce samedi. Vous pouvez y aller sur ma chaîne Sakina pour aller voir le tuto. C'est un maquillage vraiment nude où j'ai plus travaillé mon teint et j'ai juste mis des faux cils. Donc vous verrez sur le tuto, c'est un maquillage très très simple que vous pouvez tous reproduire. Donc le programme d'aujourd'hui, donc Claudine tout à l'heure, là elle va sortir, enfin malheureusement elle vient pas avec moi. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être elle a fait les 30 000 sur sa chaîne. Elle veut divorcer. Elle veut divorcer la petite. Non mais c'est pas ça, c'est parce que je vois plus beaucoup mes copines, donc là c'est l'occasion un petit peu de rester un peu avec mes copines. Oui. Un petit peu. Un petit peu. Tout à l'heure j'aurai une surprise à vous montrer parce que j'ai utilisé une application. Oui. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. D'accord. Okay. Comme ça tout le monde saura. Oui, parce que là tout le monde est à l'école, voilà. Il n'y a personne à la maison, je suis tout seule avec Claudine. C'est pour cela que j'ai pris mon temps pour réaliser ce maquillage. Et moi je vais sortir, mais je vous amène avec moi, contrairement à Claudine. Tu pars tout seul, moi je vous amène avec moi pour sortir. Moi vous me suivez sur Snap, vous inquiétez pas. Alors là je suis au centre commercial. Je vais faire un petit tour en fait pour regarder un peu tout ce qu'il y a ici. Et après je vais voir si je trouve quelque chose qui me plaît. Parce qu'aujourd'hui je me suis dit écoute, je vais prendre 2 heures juste pour moi, pour me faire plaisir, pour acheter quelques bricoles parce que j'ai rien à la maison. Je vous l'ai dit, ça fait des mois j'ai rien acheté pour moi. Et là pour le coup je suis sortie aujourd'hui, oui, pour voilà. Pour penser à moi et acheter quelque chose qui me plaise. Donc on va aller chez H&M, chez Zara, chez New Look, chez qui encore, Kiko peut-être tout à l'heure, qui sait. J'ai craqué, je suis rentrée chez NYX parce que je cherche en fait des fards à paupières pour reproduire un tuto sur ma chaîne. Du coup, là je suis en train de regarder ce que je peux trouver. Alors, je suis rentrée chez MAC et j'ai testé des trucs, mais j'ai rien pris. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant. Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais essayer des vêtements, mais là j'ai même pas fait ça en fait. Je suis passée plus dans les magasins pour tester des produits cosmétiques que autre chose. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rentrer quand même dans 2 ou 3 magasins pour tester quand même quelques vêtements. Regardez-moi ça la famille, je suis tombée sur cette robe magnifique de chez New Look. Donc je suis toute contente. Oui, je sais que j'ai pris un peu de poids, je vous l'ai déjà dit, j'ai grossi un peu, mais sincèrement je l'adore cette robe et je vais l'acheter. Alors j'ai pris en taille 40, à savoir que j'ai un peu de ventre, ce qui est tout à fait normal, mais je l'adore franchement. C'est une robe très très habillée, très classe. Voilà la famille, je quitte New Look et je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une robe, oh mon Dieu, cette robe là, c'est la robe que vous avez vue tout à l'heure. Je suis top dedans, sauf que ça se voit que j'ai pris un peu de poids, mais bon, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas être parfait tout le temps, donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente de ce que j'ai acheté. Alors ma cocotte... T'as passé une belle après-midi sans moi? Je t'ai cherché mal au cœur parce que c'était très difficile. Donc là, je suis en train de filmer mademoiselle Claudine parce que je suis rentrée depuis tout à l'heure. J'ai déjà fait à manger, j'ai donné à manger aux enfants. Et toi, tu as passé une bonne journée? Ah, une trop belle après-midi. Ah, tu as aimé? Alors, tu voulais nous parler tout à l'heure de l'appli que tu me disais par rapport aux vêtements, etc. Donc, je te laisse nous expliquer. Alors, c'est une application. Déjà, elle s'appelle United Wardrobe. Donc, oui. Je suis désolée si je le prononce mal.
mais c'est une application qui est gratuite pour acheter des vêtements. Alors je vous explique. Vous avez du neuf, de l'occasion, mais de l'occasion qui n'a été portée que 2-3 fois. Mm-hmm. Vous avez du neuf, de l'occasion. Vous avez aussi l'occasion, vous aussi, de revendre vos propres produits. Mm-hmm. C'est, en fait, l'application, elle est complète en elle-même. Ça veut dire que quand tu fais tes recherches, quand tu t'inscris, tu mets ton profil, ta taille, ta pointure, ton moulage, tu mets tout ce que tu as à mettre. Et à chaque fois que tu vas sur tes tendances, sur tes petites recherches, mm-hmm. bah, ils te mettent tout ce qu'il te faut. Avec ta pointure, ta taille de corps, ta taille de tête, enfin voilà. Donc, j'ai pris ce blazer de chez H&M d'occasion. Mm-hmm. Donc, pour le coup, d'occasion, il est vraiment propre. Il ne manque pas un bouton. Donc, c'est vraiment top. Rien à dire. Regardez. Il est très, très beau, la couleur aussi. La couleur, elle est magnifique. Ouais. Elle est vraiment très, très belle. Alors, ce petit gilet vintage. Waouh. Je l'ai kiffé parce que ça fait vraiment... ancien. Ça, c'était pour Anifa. Ça aussi, c'est pour Anifa. Donc, ça faisait vraiment ancien. J'ai kiffé... Enfin, c'est le design en fait de la veste, ça fait un peu Versace. Voilà, voilà. Et c'était vraiment trop, trop beau. Cette petite robe toute caliente de calientas. Que ça, tu as pris pour ta maman. Oui, pour ma petite maman. Voilà, hein, parce que comme vous savez, bientôt on va l'inscrire sur Mythique parce qu'il est temps de lui trouver quelqu'un. Hein. Et du coup... Je suis pas autant désespérée, mais si tu le dis... Donc du coup, je lui ai pris une petite robe, histoire de remplir son petit profil, pour qu'elle soit assez mignonne dessus. Voilà. Et c'est une robe de chez Zara. Je l'ai eu aussi pour moins de 10 euros. Elle a été portée 3 fois. J'ai même l'étiquette pour vous le dire. Et c'est vraiment top. Waouh, ce sac-là. C'est celui de maman. Je l'adore. Je l'adore. L'emballage la couleur et tout. L'emballage était vraiment propre. Rien à dire. La couleur, top. Il y a vraiment tout, c'est pas une réplique. Il y a même l'étiquette à l'intérieur. Elle est là. Donc vraiment faites attention. Je l'ai eu pour moins de 40 euros. Sachant qu'en boutique, vous l'avez pour des prix. Après, très élevé. C'est pas des modèles qui sont récemment. Donc malgré ça, il est quand même très très beau. Et maman est très contente. Voilà. J'en ai eu un deuxième, du coup, sur le site. Et vraiment, celui-ci, il est top aussi. La couleur, elle est top. Celui-ci, bon, je l'ai pris pour moi. Alors, je vais vous montrer la même étiquette. Authentique, comme quoi c'est vraiment un vrai, c'est pas un faux. Désolée la famille, la caméra s'était éteinte. Donc, Claudine, elle était en train de nous présenter son haul. Les quelques articles. Donc, on en est où? On avait montré, du coup, que ce sac-là aussi était un vrai parce qu'on a montré l'étiquette authentique. Oui, je confirme. Donc voilà, cette veste, bon c'est mes clés, cette veste là franchement je l'ai kiffée, c'est une veste de chez, alors je vais vous dire ça tout de suite, de chez Zara. Bon je pense que vous avez dû un peu tous la voir cette veste là, parce que tu le portes tout le temps en ce moment sur tes snaps. Oui. Mais non c'est même pas ça ma chérie, oui. C'est dans le sens où la veste elle est agréable à mort. Je l'ai eu pour moins de 20 euros. Hein. Alors que chez Zara, je l'aurais eu pour 50, voire 70 euros. Le doudoune-là, je l'ai prise pour Mohamed. Parce qu'il ne se couvre jamais. Au moins, il a une doudoune pour les périodes de grand froid. Parce qu'on ne sait pas comment ça peut arriver. Mais c'est juste occasionnel, on va dire. Et je l'ai eu pour moins de 40 euros. Et franchement, c'était top. Cette paire de Vans, qui sont des vrais. Parce que je les ai reçus avec la facture et la boîte, c'est ce que j'ai demandé. Donc du coup, cette paire-là, je l'ai eu pour moins de 30 euros. C'était genre 21, un truc comme ça. Et c'est pour Hikma. Ça fait un peu garçon, mais elle les a kiffés avant. Aditson, je lui ai pris cette paire de Nike que j'ai reçue avec la boîte. Elles sont trop jolies. Elle est trop belle, elle est vraiment mignonne. Elle a été portée 3 à 4 fois. Donc regardez la semelle, elle est encore toute propre. Et vraiment rien à dire. Regardez. En fait c'est vraiment un site où on peut faire des bonnes affaires. Hein. Ah on peut faire grave des bonnes affaires. En plus de ça, quand vous allez sur le site, l'application, vous choisissez un article. Le vendeur vous dit si est-ce que c'est occasionnel, état neuf ou en parfait état. Donc vraiment vous avez... Voilà.
Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier sac à dos de Addison que j'ai pris. Parce que ça, enfin, c'est bien qu'il change un petit peu de sac, c'est assez sympathique. Il a grave kiffé parce que le sac, il est hyper grand. Ça veut dire que même quand il va au basket, il peut tout mettre dans le même sac. Et c'est ça qui lui a le plus plu. Voilà. Donc là, vous allez voir notre tête là pendant... Et donc, si vous vous posez des questions au sujet de mes dents, oui, ça va mieux parce que hier, j'ai pleuré énormément. J'ai pleuré chez le dentiste, c'est elle qui m'a filmé. Oui. Donc là, vous avez vu Claudine pendant 2 jours. Demain, elle rentre chez elle. Enfin. Donc, on le verra la semaine prochaine. Mais on espère en tout cas que ce petit vlog vous aura plu, que Claudine, elle vous a bien présenté les articles qu'elle a choisis sur le site. Oui. Et puis, de notre côté, on se dit rendez-vous demain pour un nouveau vlog pour ce week-end. Parce que là, on est vendredi, demain. Non, on est jeudi ou vendredi? On est jeudi. Demain, on est vendredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi. Donc, on se retrouve ce week-end pour un nouveau vlog. Bisous.